Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Je m'appelle Micaela, j'ai 20 ans, je suis d'origine portugaise et j'adore, non, je surkiffe la mode. Aujourd'hui on va découvrir ensemble ma commande Guru. J'avais tellement hâte de pouvoir partager ça avec vous. J'ai choisi 5 tenues où je vais vous donner mon avis, la taille et les prix de tous les ensembles. Voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. A très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je mettrai mon Instagram et tout ça. Je vous laisse ouvrir la première tenue. Première tenue, c'est une robe à fleurs. Je l'ai pris en taille 36 et elle m'a coûté 17 euros. Sincèrement, pour le prix, elle est géniale. Le haut est fait chemise avec le petit nœud qui la rend vraiment chic. En bas, ça fait un effet volant. Alors, vous pouvez la porter pour une soirée ou même un dîner. C'est vraiment, elle est parfaite. Il y a juste le petit bémol, c'est que la ceinture, à chaque fois que je lève les bras, elle remonte. Mais comme elle est un petit peu longue, on ne voit rien, donc c'est pas gênant du tout. Et bah, quoi dire mieux, elle est parfaite. Allez, deuxième tenue. Alors là, nous avons une robe rose. J'adore la couleur rose mélangée au rouge. Elle est très légère, comme dans la première. Sauf que, à part ça, rien ne va. Vraiment, là, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle est hyper transparente. Je me sens gênée même juste de la porter là. Je ne peux pas la serrer derrière. En fait, si je la serre, j'ai l'impression d'être étranglée. C'est, comment dire, très grand. Vraiment très très grand. J'ai l'impression d'être un sac dedans. Je l'ai pris en taille 36 et elle m'a coûté 16,20€. En plus, je l'ai pris en effet chemise comme dans la première. Mais sincèrement, je suis hyper déçue. C'est quoi ça? Vraiment, j'ai l'impression de porter la robe de ma grand-mère. Bon. De toute façon, elle est horrible, faut pas la prendre. Je vous la conseille pas du tout. Let's go pour la troisième. Troisième tenue, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Déjà, la matière est parfaite, on se sent très à l'aise dedans. Le haut me sert très bien, donc pas besoin de réajuster tout ça. Comme j'ai un corps assez fin, j'avais un petit peu peur. C'est pour ça que je l'ai fait en taille 34. Parce que je me suis dit, souvent les pantalons pour moi, ils sont très très grands en taille 36. Dans les sites. Alors déjà le pantalon, magnifique. C'est un effet pas d'éléphant. Vraiment, regardez. Juste admirez comment cette tenue est parfaite. Gros coup de cœur pour ça. En plus, le prix, sincèrement, c'est rien. 16,20€ cette tenue. Et rien à dire, rien à dire. Elle est bien pour des occasions pour aller en soirée ou même restaurant. Ou même des occasions exceptionnelles comme, je sais pas, baptême ou autre. C'est avec des petits talons, mais waouh quoi. Waouh, vraiment. Rien à dire. Je la valide à 100%. Elle est parfaite. On se sent bien dedans. Pas trop serré. Vraiment, rien à dire. Et bah, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Alors, quatrième tenue. Que dire? Déjà la couleur. Je m'attendais vraiment à ça. C'est un peu un jaune, mais vraiment fluo, quoi. Vraiment, je surkiffe cette couleur. Par contre, à part ça, je sais pas si vous voyez la caméra, mais c'est hyper, 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 hyper transparent. Même avec des sous-vêtements de chez couleur chère, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas sortir avec ça. Déjà, le haut, je sais pas, il est un peu plus large d'un côté que de l'autre. Bon bah ça encore ça va, si à part ça c'était bien. La matière, que dire? La matière, c'est un effet pyjama, vraiment. Pyjama, elle me sert bien par contre. Je l'avais pris en taille 36, taille S. Je l'ai pris à 16,20€ l'ensemble. C'est vraiment un gros flop pour moi, vraiment dans toute ma commande. Il y a la rose et celle-ci, c'est vraiment flop, je m'attendais vraiment pas à ça.
La matière, bah voilà, comment te dire, pyjama, transparence à tout voir. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Sincèrement, même pour un pyjama à la maison, on s'en rend pas à l'aise. Le transparent, c'est voilà quoi, c'est... Pour moi, ça va pas. Ça va pas, je vous la conseille vraiment pas du tout. Sur le site, elle paraissait magnifique sur la mannequin. Et au final, bah... c'est transparent. Passons à la dernière tenue. Let's go. Dernière tenue. C'est, je crois, le plus gros coup de cœur que j'ai eu. Vraiment. Déjà la couleur. Un violet flashy. Magnifique. Vraiment. Je m'attendais à que ce soit transparent parce que c'était écrit ensemble de plage. Et je me suis dit, bon, bah, si c'est transparent, c'est pas grave. On mettra avec le maillot de bain et ça passera. Mais vraiment pas du tout. C'est pas du tout transparent et c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Regardez-moi ça. Elle me sert bien au niveau de la taille. Le haut, rien à dire. Parfait, il sert où il faut. Vraiment. Et les petits mots là, regardez-moi ça. C'est un peu... Waouh. Waouh. C'est le mot à dire. Waouh. En plus, j'ai pris un taille S. Et écoutez bien, je n'ai payé que 13,20€. 13,20€ pour cette pépite quand même. La matière, elle est fluide, légère, on se sent à l'aise. Vous savez, c'est pas lourd, les volants d'habitude, quand on met des jupes, c'est un peu lourd, on se sent pas trop à l'aise. Mais non, non, rien à dire. Vraiment. Alors, pour ma commande, j'en ai eu pour 84€. Les frais de port étaient inclus dedans, donc ça revient à 6€ à peu près les frais de port. Ça vient entre 6 à 7 jours, mais avec le confinement, ça prend un peu plus de temps. Moi, je l'ai reçu en 2 semaines et demie à peu près. Et c'est très bien emballé, donc pas de soucis, pas de mélange des vêtements. Chaque vêtement, chaque tenue en fait, est séparée dans un emballage. Que dire de mieux? Bah, à part les deux, donc la jaune et la rose. Bah rien à dire, vraiment, les tenues sont parfaites. La matière, bah rien à dire, elles sont légères. Et pour cet été, bah, c'est parfait quoi. Et bah j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Mes trouvailles et tout ça. J'espère nous retrouver bientôt pour une deuxième vidéo. Ou même une troisième, ou qui sait, par la suite. Bon, bye bye, à bientôt.